Allez, on piste. C'est la suite des enregistrements d'affilée que je fais. Tu sais que voilà, je bosse. Cette semaine, j'ai eu un planning assez sympa. Mon patron, il m'a donné un planning extrêmement agréable. Donc, c'est vrai que j'ai un peu plus de temps. Donc, j'en profite pour prendre un peu d'avance pour tourner. Enfin, pour tourner, pour enregistrer. On n'est pas sur un tournage, hein, faut pas exagérer. Mais on est sur l'enregistrement. Donc, cet enregistrement, je le fais donc à la suite du premier pack Dratac V que j'ai déballé, où j'ai eu des trucs super sympas. Si t'as pas vu, bah, tu vas voir. Comme ça, moi, ça fait. Oh putain, le mec, il génère du flux sur sa propre chaîne. Mais quel enfoiré d'escroc. Des packs Zoroark. Que je n'ai pas déballé, donc j'ai pas la carte, j'ai pas les deux promos. Alors j'ai pas les promos, mais le truc c'est que celle-ci il me semble que je l'ai tirée. Je sais plus, j'ai une Zoroark, je sais que j'ai tiré du Zoroark GX. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en déballant, on va voir si c'est une promo ou pas. Mais bon, on déballe pour les 5 boosters qui sont à l'intérieur. Moi j'en peux plus. Cette série, c'est vraiment enfin. Je l'ai commencé il y a vraiment longtemps, bah, ça fait un moment que j'ai commencé, et je veux le putain de Master Set, j'en peux plus, je le veux de trop, et hop là. Et le truc c'est que ben voilà, il manque quelques cartes, ouais, il manque quelques cartes quoi, et c'est vrai que ça me. Vous connaissez, enfin vous savez ce que c'est quoi quand il manque quelques cartes dans une collection, d'autant plus quand c'est une collection voilà, qu'on choisit. Moi je suis pas comme. Enfin je sais qu'il y a plein de gens qui collectionnent toutes les cartes. Non, bon, non, moi je déballe de tout parce que ça me plaît, mais je collectionne pas tout. On s'entend, voilà, il y a plein de cartes que je déballe exprès pour justement pour les échanges, pour ce genre de trucs, puis pour interagir aussi avec les gens. C'est ultra, enfin, ultra sympa, c'est ultra important quoi. Mais là, là c'est vrai que pour moi, c'est enfin, la frustration d'une certaine manière parce que voilà, j'ai eu de beaux tirages. Mais ce qu'à un moment donné, c'est qu'en fait, ils les éditaient plus. Et là, ils avaient fait des reprints il y a au mois d'août 2021. J'allais dire il y a 2-3 mois, mais en fait, ouais, c'est ça, au mois d'août, juillet 2021, pardon. Et. Oh, putain, elle a niqué la boîte. Chier, quoi. Je les ai achetés chez Maxitoys, pardon. Oh, allez, niqué, niqué, regarde comment il a enfoncé le paquet. C'est magnifique. Mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est déballer des cartes. Évidemment qu'on veut déballer des cartes. Donc, on va se bouger le cul parce qu'il y a 5 boosters et qu'en plus. Putain, par contre, c'est vrai que les boîtes, elles sont. Mais. Attends, regarde. Magnifique. Mais juste magnifique. Regarde ça. C'est la grande classe. Ah, lui, on le connaît. Bon, de toute façon, on les connaît tous. Attends, vas-y, regarde. Hop, là, le Zekrom. Tu le vois là, voilà, le Zek. Le Rayquaza, le Entei. Entei GX que j'ai d'ailleurs. Si je chope le Mew Incubateur là, je fais une attaque cardiaque, mais direct. Je vous le dis, c'est clair. Donc, ça, c'est la promo Zorua. Donc, je ne l'ai pas. Et Zoroark GX. Hop là, pardon, excuse-moi. Et Zoroark GX, il est en promo. Bah, écoute, c'est une chouette nouvelle parce que je suis persuadé, moi, de l'avoir, le Zoroark en GX. Peut-être que je me trompe et peut-être que c'est pas celle-ci que j'ai. Mais je pense pas. Hein, ça m'étonnerait que ce soit pas celle-ci que j'ai. Mais bon. Je verrai. Alors, bon, je les laisse de côté parce que tu les connais. Tu les connais, attends. Tu les connais peut-être pas. Voilà. En plus, c'est cool parce que du coup, il y a aussi Zoroark avec lui. Donc, c'est cool. Hop là. Et là, on a le Zoroark GX. Je les laisse là parce que, hop là, ça va me faire gagner deux sleeves. Bon, ça va me faire gagner deux sleeves dans l'instant. Putain, la texture qu'il y a sur la jumbo. Abusé complet, quoi. C'est cool. Fait chier parce que, ouais, fait grave chier parce qu'en fait, bah, elle a un coup, quoi. Elle est bend. Bon, c'est pas grave. Nous, on veut tout ça. On veut déballer de la légende brillante. De ouf. Je termine par Mewtwo et Mew. Vous savez, je suis un suceur, donc c'est pas grave. Et je vais. Ah, on a deux Rayquaza. Shiny. Dédicace à Enzo. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Et on a le. Ah, pardon. Et en même temps, il y a hop, le jeton. Mais vous savez que les jetons, tout ça et tout, c'est pas ma. Je sais qu'il y a des gens qui les collectionnent. C'est pas ma came, je les garde parce que bah je les garde. Puis des fois quand je fais un envoi, ça fait plaisir à quelqu'un, alors je me dis bah tiens, laisse tomber. Hop là, c'est pas grave. Mais voilà, pardon, voilà, comme ça au moins tu vois en même temps. Hop là, là tu vois bien le jeton qui est mignon. Mais bon. Hop. Attends, comment il est estampillé en plus? Parfait. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à nous. On décolle. Ça fait déjà 4 minutes qu'on est là parce que j'ai commencé à déblatérer mes conneries. Évidemment. Là, il y a des dingueries à tirer. Hein. Je fais le Master Set. J'ai quasiment tout. Il manque, il doit manquer 6 cartes, je crois. Et je le fais aussi en reverse. Donc là, par contre, c'est autre chose. Il manque pas mal de cartes en reverse.
Mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir d'arriver à les avoir un jour toutes. On verra. Hein. Mais c'est vraiment c'est là-dessus que je focus la collection. Enfin, c'est mon retour de collection. C'est vraiment là-dessus que je le focalise. Parce que bah, je trouve que les cartes, elles sont super sympas. Et je trouve qu'en plus, elles sont bien finies. Et puis, il y a le motherfucking Mewtwo Incubateur. Si je tire ça, voilà, je vous l'ai dit, hein, je fais une attaque. D'ailleurs, si je tire ça, enfin, à compter du moment où je vais tirer ça, si je le tire, j'ai 15 paquets à ouvrir. Donc, normalement, ça devrait. J'espère, je dis normalement, j'espère que ça peut le faire. J'ai 15 paquets à tirer. Si je tire le Mewtwo Incubateur, j'arrête la vidéo, mais enfin, quasiment directement. Et les autres paquets, bah, je les garde de côté. Tout court. Voilà, je les ouvrirai pas jamais, mais je les garderai simplement de côté. Énergie, yes, putain, ça c'est bon signe. Alors on avait énergie, Carapuce, et là on a le Florizarre. Bon, Florizarre, ça part de côté direct parce que c'est mon main. Vous le savez, je ne rigole pas avec lui. Tu vois, Komiya encore. Je te jure, je vais essayer de me faire le. Je vais regarder tout ce qu'il a fait comme carte. Je vais essayer de choper toutes les cartes qu'il a. Mais elles me font bader ces cartes. C'est incroyable. Je la mets de côté direct quoi. Musteflotte. Flamiaou, vous le savez, hein, c'est pas ma came du tout. Chacripant, il est toujours aussi mignon, il est toujours dans des décors qui correspondent complètement, pardon, à son statut de chat errant. Zorua, oh, le petit Zorua avec le Zoroark là qui est là et tout allongé, ils sont trop mignons tous les deux en amoureux. Sauf que ça fait un peu consanguinité assumée. Gringolem. Allez, next. Pyronie, énorme. 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 La carte, elle est, mais magnifique. Complètement magnifique. Ah non, je kiffe. Franchement, c'est vraiment du kiff, quoi. Oh, putain de merde! En rare reverse, Latios, la classe, et pas Latias, la classe. Ça tue, ça tue. Je sais que je l'ai pas, donc ça tue. Je l'ai pas en reverse, en tout cas. Donc ça tue. En plus, une rare reverse, c'est très bien. Et Palkia, oh putain, mais c'est génial. Et Palkia que je n'ai pas non plus. Bon, bah écoute... C'est du refaisage. Elle est déglingante. Attends, je vais la mettre un peu, voilà, vers la lumière du jour. Elle est déglingante. Je suis heureux. Je suis heureux parce que, bah voilà, ça, hop là, quelque chose que je n'ai pas. Donc, du coup, ça rentre directement into the collection. Comme ça, au moins, c'est fait. Attends, mais je vais quand même les laisser ici, Bouchard. Hop là. Comme ça, au moins, c'est fait. Et la chiasse aussi, tu rentres là. Enfin, la chiosse plutôt. Tu rentres là aussi, comme ça au moins. Vous le savez, je sais. Oui, pourquoi tu mets des sleeves sur des cartes reverse? C'est de la merde, ça vaut rien. Oui, pour vous, ça vaut rien, mais moi, ça vaut quelque chose parce que j'ai pas envie qu'elle s'abîme dans le temps. Donc voilà. Donc, je les mets comme ça, et puis. Genre, donc voilà. Ok, c'est. Donc je les mets comme ça au moins, ben écoute. On est plutôt bien. Ça s'ouvre. Ou ça s'ouvre. Hop. Allez, là on est bien. Bon, on a vu qu'il y avait déjà le Zorua, ça c'est fait. On en a 4 à dégager. 2, 3 et 4. Hop, hop. Énergie Draco, feu, pardon. On a Lily en dresseuse qui est toujours aussi mignonne. Elle fait la gueule, mais elle est mignonne avec son petit sac Pokémon devant son pont suspendu. C'est cool. Florizarre, mon pote. Je t'en mets là, hein, je suis désolé, mais à chaque fois que je vais te tirer, tu vas être là, quoi. Ah, on a une Hyperbole en dresseur, en objet. Que j'ai, hein, je l'ai déjà. On a Zorua, évidemment, tu l'as vu. Elle est juste dans ce paquet-là. Ça, c'est good. On a Herbizarre, évidemment. Tu sais, hein, tout ça va de côté direct. Hein, c'est pas du flan. J'ai une boîte, pas remplie, mais j'ai une boîte qui n'attend que quelque chose, quelques petits trucs. On a Chartor. Alors, j'ai passé Chartor parce que franchement, Chartor, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est que c'est bon, quoi. Je l'aime pas en plus. Il est trollé, ce truc. Je sais pas combien de fois je l'ai eu en plus. Bref, on a Négapi. J'ai tiré deux cartes encore. Merde. On a Lipoutou de Komiya. Allez, ça part aussi de côté pour pouvoir aller. Ça, c'est bon, ça. La double énergie incolore en reverse, pardon. C'est génial. Et ici, on a Keldeo. Putain, mais c'est trop Keldeo que. Oh, je crois que. Je sais pas, je sais plus. Je crois que je l'ai. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que je l'ai. On va voir. On verra. On verra. Enfin, on verra. Vous verrez pas, malheureusement, mais moi, je verrai. Et je verrai, mais je suis. Putain, ça me. En fait, le truc, c'est que vous savez comment on fait tous pareil. Je regarde, j'ai plein de carnets, j'ai plein de séries différentes, j'ai plein de marques différentes. Donc, du coup, c'est vrai que je regarde beaucoup. Et à un moment donné, après, c'est la saturation de. C'est la saturation, je sais plus ce que j'ai, je sais plus ce que j'ai pas, quoi. Bon, bref.
Ah oh, putain, Mew ou Mewtwo en dernier. Hop là, pardon. On verra. Allez, let's go. On va tirer l'autre Rayquaza, désolé. Qu'on a passé les deux autres losers auparavant. Enfin, les deux autres losers, c'est pas des losers, bien au contraire. C'est pas une légendaire comme ça, c'est des losers. Ok, celle-là. Ça, c'est good. Ça dégage. Et là. Et 4. Énergie Fiote. On a Vortante qu'on a déjà tiré. On a Électrode. Mais c'est Comia, donc ça part de côté. On a Électrode. Hop. On a Mustéflotte qu'on a vu. On a le Père Bulbi qui vient là. On a Gringolem qui vient là. On a Crocodile. Crocodile, pardon. Odile. Hop. Private Joke. On a Flamiaou. Ah, vous les avez entendus là. Oh yes! Putain, mais il est tellement beau, putain. Il est tellement beau, Spironi. C'est abusé, quoi. Oh, putain de merde. Trop fort. On a Voltorb en reverse. Ah, oh, mais c'est génial. Celle-là, je l'ai pas. Je le sais que je l'ai pas. Excellent. Alors, bon, déjà, ça brille. Je suis une bitch de la brillance, vous le savez. Mais en plus, cette illustration, je suis fan complet, quoi. Qui fait ça? Match. Ok. Paris match. Non, c'est pas grave, j'arrête. Et on a Marshadow. En brillant, fabuleux, en brillant, pardon. En rare, excusez-moi, en rare, holo, ça défonce, je l'ai déjà, je sais que je l'ai déjà, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est très bien. Comme ça au moins, ça, je pense que ça partira à l'échange. Si vous voyez des trucs que vous n'avez pas et que vous voulez, vous faites un petit message sur Insta, vous venez sur Insta, je vais tout regrouper là pour faire un seul Insta perso et machin, je pense, parce que ça me saoule d'avoir deux trucs. Il y en a un que je nourris jamais, machin. Donc, comme ça, moi, vous verrez. Puis en plus, je poste, enfin, je poste, c'est pas que je poste régulièrement, mais c'est qu'il y a les stories souvent là-dessus. Donc, du coup, on est bien. Mewtwo ou Mew? Putain, si dans le Mewtwo, il y a le Mewtwo en cube, bah, franchement, je crois, j'arrête même de tirer toute la semaine, quoi, mytho. Mais ouais, je crois que c'est ce que. Non, franchement, c'est ouf, quoi. Putain, le Mewtwo incubateur, je vous en supplie, quoi. Si, ça serait tellement fort, quoi. Ça serait. En plus, ça serait récompensé parce que j'en ai ouvert, putain, mais tellement des légendes brillantes. Ça serait franchement trop récompensé, quoi. Enfin, trop bien récompensé. On va pas rêver, hein. 1, 2, 3 et 4. Et oui, j'ai pas spoilé, j'ai pas tiré les cartes et tout, histoire de voir. Oh là là, et celle-là, je l'adore parce qu'en plus, regarde. Hop, attends, je suis venu trop vite. T'as pas eu le temps de zoomer. Tu le vois, le Reshiram, là, qui a la fusée dans le fion? Avec le Golem à stop, l'évolution du grain golem qui fait un peu pitch là, regardez, il est juste. Hop là, il est là. Tu le vois le grain golem? Juste là, là. Voilà, nickel. Qui est un peu laid. Et puis d'un coup, Golem à stock. Avec le Retch qui va avec. Parfait. Bagaïd. Bagaïd psychédélique complet là. Il sait plus où il est. Hein. La drogue. Mustéflotte. On passe, Chartort, tu dégages, Pikachu, on te kiffe, Pikachu, pareil, il a sa page à lui, il a ses exceptions à lui, donc il va de côté. Lipoutou de Komiya, tu viens ici, Balignon, on l'a déjà, pardon, mais tu l'as peut-être pas jamais vu. Il est mignon, hein, Balignon. Balimignon, quoi, en fait. Négapi, tout à l'heure, on a eu Posipi, non, on a eu Négapi, il est encore là, regarde, hop, tu l'as vu, on a Négapi, on a l'adresseur attrape Pokémon en reverse. Que je n'ai pas, que j'ai, ouais, que j'ai, je crois. Il me semble que je l'ai. Et on a Keldeo en holo. Je suis deg. Alors, attends, je suis deg. Je suis content parce que Keldeo, c'est un Pokémon sympa. On s'entend, hein, c'est un poney rigolo. Mais je suis deg parce que tirer deux fois la même. C'est pas même, je dis même pas pour pas tirer une GX ou un truc comme ça à la place, c'est pas ça, hein, ou pour tirer une brillante. Une brillante. Mais je suis deg parce que là, tirer deux fois la même carte à deux boosters de. À un booster ou deux boosters d'intervalle. C'est relou. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ça, t'es sous sleeve, là on est good, et là on va continuer. Putain l'ardine, mets-moi une bonne carte. Mets une bonne carte, sérieux. Allez, une seule bonne carte. Oh, une seule bonne carte. Le Mew Shiny. Le Mew brillant. Ça serait bien. Encore un Picard. Hein, on t'a vu. Ça dégage. On fait un, deux. 3 et 4, je me suis pas spoil, t'as vu, j'essaie bien de garder le paquet fermé. Énergie Filade, Félinferno, toujours un peu, il est vénère, hein, le Félinferno.
Ils auraient dû l'appeler Vénère Fernand. Arbok, j'adore. J'adore, parfait. Échange, Pokémon, Andresseur. Pikachu. Le Pikachu. L'immonde. Qui est immonde? Ah ben, ah beau, tiens, ben nickel. Comme ça, moi, dans le même paquet, on a la base et l'évolution. Chapignon. Qui est très mignon. Qui est très mignon et qui est dans un décor extrêmement floral. C'est très sympathique. Voltorb. En pas reverse, du coup, parce qu'on l'a tiré juste auparavant. En reverse. Yes! On a Zekrom. Putain, c'est trop fort. Zekrom en rare reverse. Excellent. Je l'ai pas. Je la cherche depuis 1500 ans. Ça me saoule. C'est trop bien. Je l'ai pas, je vous jure. Sur un truc de ouf. Je l'ai pas. Donc, je suis très content. Et là, on a Raikou. Et ben, c'est très bien. C'est un tirage de. Là, pour le coup, c'est un super tirage. Raikou, je l'ai déjà. Mais c'est pas grave. Par contre, Zekrom, je l'ai pas. Donc là, pour le coup, ça défonce. Je l'ai pas. Je l'ai pas tout court. Hein. Je crois que je l'ai pas tout court, il me semble. Il faut que je regarde. Pareil, hein, je ferai un retour. Hein. Un de ces quatre. De toute façon, un de ces quatre, on fera quand on fera du live. J'aurai peut-être un l'occasion, peut-être, je sais pas, peut-être pas un setup différent, parce que faut peut-être pas déconner. Mais au prix de ce que ça m'a coûté, c'est pas ça. Bref, mais j'aurai peut-être un retour là-dessus, au moins sur les jambes brillantes, pour voir un peu qu'est-ce qui manque pas, etc., etc. Pour la branlette un peu. Palkia, Latios, Keldeo en double, double énergie, incolore, Marshadow qui est grave, grave classe. Ça, c'est vraiment une carte qui est vraiment sympa. Le Pokémon est vraiment, vraiment original. Et en plus, cette carte-là, mais cette brillance, c'est dans Légende Brillante, en fait, il y a vraiment des. Il y a vraiment des dingueries, quoi, en fait. En termes du design des cartes, moi, c'est vraiment les dessins qui me plaisent, quoi, en fait. Les dessins des cartes, mais ils sont magnifiques, quoi, en fait. Bon, on a l'attrape Pokémon, pardon, excuse, j'étais next. Donc, on a Voltorb, on a Re-Keldeo, on a l'attrape Pokémon, on a Zekrom en rare reverse. Je suis hyper content, je suis refait, quoi. Elle est superbe. Elle est superbe. Je préfère Reshiram, hein, on va pas se. Je m'en cache pas. Je préfère Reshiram, c'est un Pokémon qui me plaît plus en termes de design et tout. Hein, je vous mens pas là-dessus. Mais Zekrom, ça va ensemble, quoi. C'est la grande, grande classe. Merci d'avoir suivi. N'oublie pas de t'abonner. Viens faire un tour sur Twitch. Tu suis sur Twitch. Je fais pas trop de live là en ce moment parce que je suis honnête, j'ai pas trop de temps. Et le peu de temps que j'ai, en fait, j'ai pas envie de faire un live. C'est pas où il y a personne, c'est pas ça. Parce qu'il y a pas forcément grand monde dessus. Mais c'est que j'ai pas envie de faire un live en plein milieu d'après-midi. Voilà, après avoir travaillé, tout ça et tout, ça me parle pas. Je préférerais le faire le soir, mais c'est vrai que le soir, je suis capoute et je m'en excuse. Des bisous. Merci la team. À plus. Ciao, ciao.